raisons pour lesquelles je suis venue au Carré d'Art sont assez simples, parce que je cherchais un local professionnel où exercer mon métier et aussi un lieu où je pouvais vendre mes créations. Avant, nous étions installés à Lagny-sur-Marne dans un entrepôt qui n'avait pas du tout de visibilité. Ici, on a beaucoup de visites grâce au Carré d'Art, puisque on est dans un lieu qui est visitable, en entrée libre, avec beaucoup de passages. C'est ce qu'on recherchait. J'ai choisi parce que je suis arrivée à l'origine dans la région et donc j'ai un attachement et je souhaitais aussi de rencontrer d'autres métiers, de développer mon savoir-faire. Il était aussi important pour moi d'être un peu entourée par d'autres métiers. Je trouve que c'est une richesse aussi au niveau du travail. D'avoir en plus d'autres artisans qui travaillent d'autres matériaux que je ne connais pas, ça nous sort aussi un peu de la solitude que je pourrais avoir si j'avais un atelier seul. Cet atelier correspond exactement à ce que je cherchais pour la simple et bonne raison de dire que je ne suis pas toute seule. Je suis entourée d'artistes, d'artisans. Le décor est naturellement magnifique, c'est-à-dire que je peux faire des photos et à l'intérieur et dans l'atrium. Et l'emplacement. Je suis juste à l'entrée du Val d'Europe, donc à l'entrée de Ceris. On est, je pense, une équipe avec qui on peut travailler sur beaucoup de projets en commun. Aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment le lieu où je peux échanger avec d'autres métiers d'art, parce que mon but, c'était aussi d'échanger avec d'autres personnes qui travaillaient d'autres spécialités et aussi de bénéficier en fait d'une communauté de vie professionnelle et d'avoir aussi accès à une clientèle sur place et d'avoir aussi un atelier ouvert. Je trouve ça assez fantastique. Alors au départ, on a commencé par travailler en tant que voisins. Donc chacun s'est installé, a pris ses marques, on a appris à tous se connaître les uns les autres. Il y a des affinités qui se sont faites un petit peu plus que d'autres, effectivement. Et au fur et à mesure du temps, on s'aperçoit qu'en seulement 6 mois, parce que 6 mois c'est court, on arrive à travailler ensemble. Artisan parce que je travaille l'objet utilitaire et en même temps artiste parce que il y a tout le côté création artistique. C'est un petit peu de son âme qu'on va mettre dans les pièces.